Je salue le producteur, le sponsor officiel de cette maison qu'on appelle Email Image de Isaac Mabaka qui fait les designs. Fistoco qui est le sponsor officiel Étoile de Star avec Anita Tako. Suivez d'abord ces images et nous nous retrouvons tout juste après avec vous. Chop, chop. Je reviens encore sur vous, chers internautes, surtout avec l'émission Eric Show et sur toleka.net. Alors, je vais recevoir pour vous un ancien musicien, ou un musicien, comme je le dirais, que vous avez beaucoup plus connu sur, avec le nom Bendoson, mais qui de vrai nom est Beawabea. Alors, Bendoson, nous allons recevoir Bendoson, mais nous ne parlerons pas vraiment de la carrière musicale de Bendoson. Nous parlerons plus sur les convictions, confessions, en fait, la vie spirituel de Bendoson. Comme vous le savez, Bendoson a essayé un peu de laisser sa carrière musicale et s'est voué à autre chose. Alors, cette autre chose, nous le découvrirons ensemble avec vous. Prendre seulement deux confessions religieuses qui sont beaucoup connues, le musulman et les chrétiens. Alors, quand vous dites qu'ils ne savent pas qui ils sont en train de, prier ou qui ils suivent, je commencerai avec les chrétiens. Les chrétiens sont ceux qui suivent Jésus-Christ. Serait-il possible que, quand vous avez dit qu'ils sont dans l'erreur, serait-il possible que le fait qu'ils suivent Jésus-Christ est une erreur, c'est-à-dire qu'ils sont à tout à côté? Fait, c'est une erreur. C'est une erreur. Parce que le Messie, parce qu'il parle du Messie, le vrai, qui est Yeshua Mashiach, il l'appelle le lion de la tribu de Juda, pendant qu'en Judée, il n'y a personne au nom de Jésus. Jésus, c'est un nom européen. Et alors que ce sont ces Européens-là qui ont fait circuler leur civilisation partout dans le monde, et nous sommes autant à la classe, ce sont eux qui nous ont appris à aller à l'école et tout ça, et ils nous ont appris qu'un nom n'est pas traductible, parce que j'entends les autres défendre que non, tu vois, Yeshua, c'est la même chose avec Jésus-Christ, c'est juste une traduction. Mais on nous a appris qu'un nom propre n'est pas traductible.